Moi, je trouve que Paris, c'est une très belle ville et une très grande ville. Et à chaque fois, même si on y va tous les jours à Paris, mais on découvre toujours de nouvelles choses, en fait. Et moi, ça fait 4 ans que j'habite à Paris. Et chaque jour, je découvre quelque chose. Chaque jour, je me balade et je découvre de nouveaux monuments ou des détails sur les monuments. Et je trouve que c'est très beau. Et voilà. Alors moi, à Paris, depuis que j'ai eu mon appareil photo l'année dernière, je m'amuse à prendre en photo les lieux clés de Paris. Comme par exemple, là, c'est les Champs-Élysées. Je suis montée sur l'Arc de Triomphe et du coup, j'ai pris les Champs-Élysées avec une vue globale. Là, c'est les Champs-Élysées en bas. Voilà, on peut voir Champs-Élysées. Et là, c'est l'Arc de Triomphe. Voilà. Puis, j'ai aussi pris d'autres endroits. Par exemple, les Invalides. Là, c'est une vue depuis le pont Alexandre III, que je trouve est vraiment le plus beau pont de Paris. Alors, et je prends beaucoup de photos de nuit parce que je trouve que la nuit, on concentre plus le regard sur le monument. On voit pas trop ce qu'il y a autour. Par exemple, le pont, on voit le pont et on voit pas, on voit pas les gens, on voit pas les voitures. Ça, c'est des ruelles de Paris. J'ai fait en noir et blanc. Je trouve que c'est plus joli. Ça, c'est à côté de la bibliothèque Georges Pompidou. Et là, ce sont des Vélib. Parce que j'aime les Vélib, j'aime faire du Vélib à Paris. Et je trouve que c'est un bon moyen de découvrir Paris autrement qu'en métro, à pied, en voiture. Ça, c'est une autre rue, c'est à Châtelet. Ensuite, il y a aussi Saint-Michel, l'un des endroits où je vais presque toutes les semaines. Notre-Dame, le Pont des Arts. Là, on voit pas très bien parce que c'est la nuit. Là, j'ai photographié un bateau. Voilà. Et là, le Pont des Arts en journée. Encore le Pont des Arts la nuit. Et là, c'est sur le Pont des Arts, en fait. Voilà. Notre-Dame. Voilà. Alors, Paris, la Tour Eiffel. L'endroit où tous les touristes vont en premier. La Tour Eiffel en pleine nuit aussi. Ça, c'est au jardin du Luxembourg. Un endroit parfait quand il fait chaud, quand il fait beau, pour se poser, lire un livre, se balader. Ça, c'est la basilique du Sacré-Cœur, Montmartre. Ça, c'est l'Opéra de Paris. Ça, c'est la Madeleine, le métro, c'était au Gobelin. Encore la Tour Eiffel, mais flou. Et puis, il y a la Grande Roue. Et encore la Tour Eiffel.